me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Quand on verra ta fusée, on passera à l'attaque quoi qu'il arrive. On te fait confiance. On te confie nos vies, Démé. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse, dégueulasse. Sans répit, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Pass auf, was du sagst, mein Freund! Que cette fusée nous porte chance. Maintenant, tout le monde sait qu'on arrive. Rien ne touche.
Y'a quelqu'un! Soldat est tombé! Il me tire dessus! Il est là, la bombe!
On doit se débarrasser de ce bandit. Thank you.
abandonné pour forcer la porte du château. Mais il aurait mieux valu pour nous qu'elle ne s'ouvre jamais. Ça ne bouge pas! Poussez plus fort! Écarte-toi! Écarte-toi de la porte! On va utiliser ce canon! Un soldat allemand, là! Tirez en vue! Allez! À l'attaque! On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang, en sacrifice et en vie humaine. Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa! Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois.
Messieurs, nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. Française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.